Peu m'importe les chutes, je connais la misère des âmes. Ce que je veux, c'est qu'elles ne fassent pas sourde à mon appel et qu'elles ne refusent pas mes bras quand je les leur tends pour les relever. Nous vous proposons aujourd'hui une méditation sur le péché. Il s'agit de nous remettre en mémoire tous les péchés de nos vies, année après année, ou période après période, afin de voir notre évolution dans notre relation à Dieu et de lui demander une nouvelle fois pardon pour tous ces moments d'égarement. Il n'est pas question de vous faire culpabiliser, mais plutôt de vous aider à voir les points sur lesquels vous devez encore travailler. Commençons. Nous vous invitons à regarder les lieux et les maisons où vous avez habité. Attardez-vous ensuite sur les relations que vous avez eues avec les autres. Observez la fonction que vous occupiez en ce temps-là, votre place dans la société, dans votre milieu de vie. Pour mesurer le poids de chaque péché, nous vous proposons dans un premier temps de vous regarder, vous, par rapport à tous les hommes. Dans un second temps, voyez ce que sont les hommes en comparaison des anges et de tous les saints du paradis. Regardez ensuite ce qu'est tout l'univers en comparaison de Dieu. Moi seul, qui puis-je être? Attardez-vous à présent sur vos péchés, en comparaison à la grandeur du Créateur, sa sagesse. Mon ignorance, sa toute-puissance, ma faiblesse, sa justice, mon iniquité, sa bonté, ma malice. Nous vous proposons de finir ce temps en rendant grâce à Dieu pour tout ce qu'il a créé, en le remerciant de nous avoir créé chacun d'entre nous et en le bénissant pour son infinie miséricorde. Acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence.
Aujourd'hui, je ferai attention à appliquer les trois derniers engagements et à essayer de faire tous mes efforts afin de ne pas pécher en parole, en action ou en pensée.